mais d'abord dis Seigneur, je suis là ce matin pour te rencontrer. Nous ne sommes pas venus pour une religion, mais pour rencontrer un Dieu vivant, un Dieu qui agit, un Dieu qui bénit, qui change les vies, qui sauve. Dis Seigneur, je suis là ce matin pour te rencontrer. Élève la voix, je dis ouvre ta bouche, ne chuchote pas, ouvre ta bouche, ouvre ta bouche. Je suis là ce matin, Seigneur, pour te rencontrer. Parle. Ouvre ta bouche et parle à haute voix. Je suis là pour te rencontrer, Seigneur. Je sais que tu es vivant. Je suis là pour te rencontrer. Je suis là pour te rencontrer, Seigneur. Touche-moi ce matin. Fais quelque chose de nouveau dans ma vie ce matin. Accorde-moi une nouvelle grâce ce matin. Je vais partir d'ici transformé, changé. Élève la voix, sois en train de lui parler. Je veux entendre ta voix. Si tu parles à haute voix, tu seras inspiré. Sors de toi-même. Je suis là pour te rencontrer, Seigneur. Et personne ne peut te rencontrer et repartir comme tel. Je vais repartir ici changé, transformé par lui. Le glorieux nom du Seigneur Jésus de Nazareth. Donc, nous avons expliqué le statu quo. Nous sommes en train de parler des causes du statu quo. Et la dernière cause du statu quo dont nous sommes en train de parler, c'est les empêchements. Les empêchements dans une vie engendrent le statu quo dans cette vie. J'ai expliqué les empêchements et nous avons commencé à caractériser une personne empêchée. Alléluia. Bien-aimé, je veux te dire aujourd'hui, pour commencer, un enfant de Dieu, même un enfant de Dieu empêché, ne peut pas être heureux et épanoui dans sa vie. Alléluia. Frère, si les empêchements ne sont pas vaincus, il finira par compromettre sa foi. Alléluia. Frère, les empêchements dans la vie d'un chrétien sont de sérieux problèmes à sa foi. Alléluia. Une foi active au départ. Un chrétien qui a de l'empressement du zèle au départ. Lorsque dans sa vie, il y a un empêchement qui tue, il n'arrive pas à vaincre. Bientôt, vous allez voir que son zèle va commencer à s'émousser. Son amour pour les choses de Dieu va commencer à diminuer. Et il peut rétrograder dans la foi. Frère, les empêchements qui ne sont pas vaincus finissent par étouffer la foi de beaucoup de personnes. Mais la bonne nouvelle que je veux t'annoncer ce matin est que si tu fais confiance à Dieu, comme Paul a vaincu les empêchements, et il a pu aller à Rome, il a pu aller à Thessalonique, accomplir ses projets, accomplir ses désirs, toi aussi, tu peux vaincre les empêchements qui sont là. Et l'apôtre Paul a même sollicité les chrétiens de Rome, dit priez pour moi afin que enfin je puisse me rendre chez vous. Donc si toi-même tu pries et tu n'arrives pas à t'en sortir, tu te
peux demander de l'aide. Alléluia. Tu peux solliciter quelqu'un pour t'aider dans cette prière, dans ce combat. Alors, bien aimé, les choses qui caractérisent une personne en péché, les choses qui indiquent que quelqu'un a des empêchements dans sa vie. Alléluia. Je ne vais pas retourner en arrière. Nous allons continuer à partir de là où on s'était arrêté la fois passée. Frère, une personne qui est empêchée, qui a des empêchements dans sa vie, déçoit toujours les gens avec qui elle traite. Je reprends. Une personne qui a des empêchements dans sa vie déçoit toujours ou souvent les gens avec qui elle traite. Elle déçoit ses partenaires, elle déçoit ses clients, pas volontairement, mais parce qu'ils trouvent toujours des obstacles en chemin. Et parce qu'elle déçoit toujours, elle est aussi déçue. Frère, écoute-moi. Amen. Regarde bien comment ça se passe en toi et les gens avec qui tu traites. Tu verras si tu as même ce que tu dis avec de bonnes intentions, si ça se passe toujours comme ça. Ou bien si en chemin, c'est souvent toujours ça. Tu vas dire dans une semaine, je vais te livrer ça. Je vais te livrer ça. Mais dans une semaine là, c'est gâté. Ce que tu as dit une semaine, ça va se retrouver en train de faire 3 mois. Et c'est fini, le client est parti. Cette opportunité que tu as, c'est gâté. Frère, une personne qui a des empêchements dans sa vie déçoit les gens. Et parce qu'elle déçoit, elle est aussi toujours déçue. Autre chose, une personne empêchée est souvent amère et angoissée. À cause de comment les choses se passent avec elle, elle ne comprend pas pourquoi ça se passe comme ça. Avec la bonne volonté que j'ai, avec tout l'effort que j'ai fait, mais comment ça change encore comme ça? Elle est toujours angoissée. Elle est toujours amère. Et frère, c'est difficile de vivre avec une personne toujours angoissée. C'est difficile de vivre avec une personne amère. Frère, je veux prier pour toi. Ce qui change les choses dans ta main, à mi-parcours, aujourd'hui, son pouvoir est vécu au nom de Jésus. Ton âme n'est pas bien sorti dans la tombe. Je dis ce qui change les choses dans ta main. Ce qui change les choses pour toi, à mi-parcours. Au nom de Jésus de Nazareth, à partir de ce matin, son pouvoir est vécu au nom de Jésus. Frère, une personne empêchée a des rêves et des visions. Et parfois de grands rêves et de grandes visions. Mais ces rêves et ces visions s'éteignent toujours. Sans jamais voir le jour. Amen. Vous allez voir une personne empêchée et souvent de boîtes à idées. Ils ont de bonnes idées. Et même à cause de leurs idées, d'autres personnes puissent dans leurs idées et réussissent. Mais eux, ils sont là, incapables de réaliser leurs rêves, incapables de réaliser leur vision pour la vie. Ils vont partager leurs projets. D'autres vont prendre des dents, aller réussir ça. Quand ils sont là encore à traîner. Pourquoi? Parce que quelque chose les retient. Mon frère, je prie pour toi au nom de Jésus. Les gens qui ont des rêves et des visions qu'ils n'arrivent pas à réaliser, ils se retrouvent en train de vivre en deçà du niveau où ils doivent être normalement dans la vie.
Frère, il y en a là maintenant. Tu n'es pas là où tu dois être. Si les choses se passaient normalement, s'il n'y avait rien qui entrave les choses, peut-être en venant ici ce matin, il y aura un garde-corps derrière toi. Peut-être en venant ici ce matin, tu allais venir dans une condition où tu ne passeras pas inaperçu. Quelqu'un va lever la loupe, va tourner le regard pour te voir. Mais tu vis en deçà du niveau où tu dois être. Je prie pour toi, au nom de Jésus, ce qui a plafonné ta vie, ce qui te retient dans la vie, qui empêche tes rêves et tes visions de se réaliser, au nom de Jésus, c'est vécu maintenant. Et dis amen avec moi, à moins que ça ne te concerne pas. Si ça ne te concerne pas, tais-toi. Mais si ça te concerne, dis amen très fort. Jésus de Nazareth, frère, je prie. C'est une prière que je fais. S'il y a quelque chose qui a été déjà en retard dans ma vie, au moment de le faire, Seigneur, accélère ça. Dieu peut accélérer les choses. Frère, il peut accélérer. Te propulser dans la vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Frère, que Dieu ouvre les yeux. Et que Dieu comprenne ces choses. Je ne sais pas. Une vedette. Je suis un prédicateur. Et je t'annonce la parole qui peut t'ouvrir les yeux et changer ta vie. Et que Dieu t'en donne la compréhension. Il va te réveiller de ton sommeil pour qu'à partir de ce matin, tu puisses aller à temps là où tu es appelé à aller dans la vie. Fais à temps ce que tu es appelé à faire dans la vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Frère, autre chose, une personne empêchée. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Une personne empêchée est stagnante dans la vie. Elle est stagnante dans la vie. Elle tourne à rond dans la vie. Elle marche. Elle marche, mais elle ne va nulle part. On va te voir en train de travailler. On voit que tu es en train de travailler. Tu sors le matin, tu reviens. Tu n'as pas le temps. Mais tu ne vas nulle part. Tu tournes en rond. Ça ne donne rien. C'est les empêchements. La Bible dit, Ecclésiaste a dit, j'ai trouvé quelque chose sous le soleil. Mais c'est un don de Dieu. Je lui dis plus de son travail. Alléluia. Frère, je vous ai parlé ici des mouvements de la vie de l'homme. Frère, tournez en rond. Quelqu'un qui m'a su un siècle. Apparemment, il évolue. Mais au final, il revient toujours au point de départ. Amen. C'est un empêchement qui fait ça. Alléluia. Amen. Frère, je dis toujours, c'est bon de ne pas avoir que d'avoir et de perdre. Oh, que Dieu nous en garde. C'est bon de ne pas faire un pas en avant. Que de faire le pas en avant. Que de revenir en avant. Le mouvement de la vie d'un enfant de Dieu doit être un mouvement constamment vers l'avant. Dans tous les domaines de notre vie. Frère, si nous comprenons ça même spirituellement, on ne doit pas progresser. Régresser. S'engager. Se désengager. Chaud, froid, fort,
affaibli. C'est une anomalie. C'est une anomalie. Alléluia. Frère, je ne suis pas parfait. J'ai tombé plusieurs fois. Je suis tombé plusieurs fois. Mais la grâce de Dieu m'a toujours gardé. Mais s'il y a une chose qui ne m'a jamais quitté, c'est le feu qui brûle en moi pour le Seigneur. Et tant que ce feu est en toi, tu vas toujours courir avec les autres. Frère, chaud aujourd'hui, froid dans trois semaines. Scellé aujourd'hui, dans trois semaines, totalement passif. Dis à quelqu'un, c'est une anomalie. Alléluia. Amen. J'ai dit alléluia à quelqu'un. Amen. Une personne empêchée ne peut jamais faire ce qu'il est appelé à faire dans la vie ou être ce qu'il est appelé à être dans la vie. Alléluia. Amen. Lève la main. Lève-toi sur tes pieds. On va s'arrêter là. Lève tes pieds. Lève tes mains. Tu vas commander aujourd'hui. Au nom de Jésus. Pour ce qui m'empêchait. Pour qui a reçu la mission. Pour qui travaille. Pour m'empêcher. D'être ce que je suis appelé à être dans la vie. De faire ce que je suis destiné à faire dans la vie. Ce matin, qu'il soit vaincu au nom de Jésus. Dis amen sur ça d'abord au nom de Jésus. Et là, on va commencer à parler au nom de Jésus. Comment, de m'empêcher d'être ce que je suis appelé à être, de faire ce que je suis appelé à faire. Sois vaincu, 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 retiens-les, vaincu, retiens-les, vaincu, retiens-les, comment, adore, yes, comment, comment. Comment attends dans le nom de Jésus de Nazareth. Foi, par révélation, je veux prier pour un type de personne ici ce matin. Le Seigneur vient de me mettre ça à cœur. Il y en a ici quelque chose. Un vent, un pouvoir, un esprit. En tout cas, quelque chose a désolé en tête ta vie. Ta vie était sur une bonne lancée. Lancée était destinée. Mais ça a été désorienté. Ça peut être un vent qui a soufflé. Une entité spirituelle. Je ne sais pas. Mais aujourd'hui, si tu es là, et ta vie a été désorientée. Ta vie est sortie du chemin que Dieu a tracé pour elle. De l'orientation divine. Ce matin, ce qui désorientait ta vie est vécu au nom de Jésus. Amen au nom de Jésus. Dis amen très fort 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 au nom de Jésus. Tout ce qui a désorienté ta vie, ce qui a désorienté
intervention divine. Au nom de Jésus de Nazareth, qui s'en fait que maintenant. 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 Name of Jesus. Jesus name. Amen. Jesus name. Jesus name. Thank you. C'est vaincu. In Jesus name. Amen. Frère, Amen. Si la chose est vaincue, je prie pour toi. Ce qui va ramener ta vie dans la direction divine, dans l'orientation divine, l'orientation qui va te conduire à ta destinée. À partir de maintenant, que cela commence à se passer à partir. L'événement qui va ramener ta vie dans le chemin tracé par Dieu, dans l'orientation divine. Ce matin, que cela commence au nom de Jésus. L'Éternel dit, je suis béni ce matin. Ma vie ne sera plus jamais la même. Au nom de Jésus de Nazareth. Je suis béni ce matin. Ma vie ne sera plus jamais la même. La parole que j'ai entendue va s'accomplir dans ma vie maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth.